vis avec un garçon depuis 20 ans. Et parallèlement, je suis maire de mon village, situé en Bourgogne. Et par rapport au projet de loi, j'ai une position peut-être pas si atypique que ça, mais en tout cas qu'on n'entend pas dans les médias. Les mouvements LGBT qui prennent la parole dans les médias, on n'a jamais voté pour eux. Aucun homosexuel a voté pour eux. Ils ne nous représentent pas et ils n'ont pas à parler à notre place, on ne les a pas élus. Je ne pense pas qu'une société doive encourager ça, parce que c'est pas biologiquement déjà quelque chose de naturel. Ils n'auront pas une fécondité au sens de la fécondité d'avoir un enfant. Par contre, ils peuvent avoir toutes sortes d'autres fécondités. Fécondité artistique, c'est souvent le cas, on le sait, ou des tas d'autres choses. Je vais pas me lancer des fleurs, mais je pense que j'ai fait pour mon village, j'ai rapproché les gens, j'ai relancé une vie de village qui peut-être était un peu moribonde. J'essaye de créer du lien dans ma commune. Voilà une fécondité que j'ai. Moi, il me semble que la loi doit viser ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant. Elle doit favoriser ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur, et ça je pense que personne ne peut le contester, c'est d'avoir un père et une mère qui s'aiment dans le meilleur des mondes possibles.